Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux pour cette deuxième conférence avec Jean Van de Steen, qui va nous parler des bières trappistes. Jeff est un amateur de bière depuis sa jeunesse. Il tient à rester amateur, il n'y a rien de plus. Il va faire la conférence en français avec son accent flamand. Il va faire au mieux. Je pense que ça va très bien se passer. Pardon. Si vous avez des questions, si ça va trop vite, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à lever la main si vous avez une remarque à faire également. Et Jeff essaiera d'y répondre. Bonne conférence. Ça marche, hein, ça marche. Bon, bon après-midi à vous tous. Je dois vous raconter quelque chose sur les trappistes. Hein. Eh bien, les trappistes sont des Français. Enfin, c'était des Français. Parce que l'ordre des trappistes est fondé en 1664, l'année de Cronenbourg. Hein. 1664, mais fondé dans cette année en Normandie, donc en France, dans une petite ville et dans une abbaye qui existait déjà avant, une abbaye des cisterciens. Mais le fondateur, monsieur de noblesse, Armand Jean Le Boutillier de Rancé, il devait dire oncle à Richelieu, que vous connaissez bien, je pense. Là, quand il est arrivé là, comme nouveau père abbé, il a écrit des règles plus sévères que les règles des cisterciens normaux. Et donc, c'est ainsi que c'est devenu un ordre des cisterciens de la stricte observance, tandis que les anciens cisterciens, disons, sont des cisterciens de l'observance commune. Des règles un peu spéciales, surtout des règles sur qu'est-ce qu'on peut boire et qu'est-ce qu'on peut manger. Bon, qu'est-ce qu'on peut manger, ça ne nous intéresse pas, je pense, hein, c'est une bourse sur la bière, mais qu'est-ce que les trappistes peuvent boire? Ça, c'est très important. Et au début, il n'y avait qu'une boisson permise, c'est-à-dire de l'eau. De l'eau et rien que de l'eau. Donc, c'est un ordre très sévère. Le nom trappiste vient d'une autre commande du père abbé. Parce que le père abbé a dit, quand vous entrez dans l'abbaye, vous ne sortez plus jamais. Il faut rester toute la vie dans l'abbaye, entre donc les murs. Ça veut dire qu'une abbaye comme ça, c'est comme une trappe. Et d'où le nom, les trappistes. Hein? Maintenant, c'est encore comme ça, mais plus ou moins, évidemment. Hein? Bon. Sont des végétariens, donc ils ne peuvent pas manger de la viande. Et le but de leur vie en abbaye, c'est en latin « ora et labora ».« Ora », ça veut dire « ils doivent prier »,« labora », »,« ils doivent travailler ». Et heureusement qu'ils doivent travailler, parce que brasser la bière, c'est quand même travailler. Voilà. Évidemment, ils vivent de leur ferme. Au début, c'était des fermiers. Et ils cultivaient tout ce qu'ils avaient besoin de vivre. Donc, ils n'achetaient rien. Ils pouvaient faire eux-mêmes tout. Du pain avec des grains qu'ils cultivent. Les vaches donnent du lait. On a donc du beurre, on a donc du fromage. La viande, ils ne mangent pas, donc ils avaient tout pour vivre. Mais ça n'a que duré 3 ans. Parce qu'après 3 ans, il y avait dans l'abbaye
la trappe donc à Soligny en Normandie, il y avait une espèce de révolution. Pas parce qu'ils ne peuvent pas manger de la viande, vous savez, pas parce qu'ils doivent travailler trop ou prier trop. Non, non, la révolution, le grand problème, c'était l'eau. Parce qu'après 3 ans, bu de l'eau chaque jour, c'était pour eux trop. Hein. Ça montait jusqu'ici. Et donc, le père abbé a dû changer un peu, adoucir, disons, un peu les règles. Et de ce moment-là, donc 1667, ils avaient le choix entre 3 boissons. Évidemment, le numéro 1 restait de l'eau. Le numéro 2, ne rigolez pas, hein, du lait battu. Pas du lait entier, hein, du lait battu, parce qu'il doit vivre le plus simple possible. Et maintenant, tout le monde attend le troisième choix. Hein. Eh bien, heureusement, le père abbé n'a jamais précisé le troisième choix. Il n'a jamais dit quelle boisson. Il a dit, très important, il a dit le boisson populaire de la région. Et le boisson populaire de la région, c'est le Normandie. Le boisson populaire en Normandie, c'est, oui, c'est le cidre. Il y a toujours des gens qui disent du Calvados, mais ce sont des alcoolistes, hein, ça, hein, du cidre. Et parce que les moines doivent travailler, ils n'ont jamais acheté le cidre. Ils ont toujours fait le cidre eux-mêmes. OK? Et en France, les trappistes n'ont jamais brassé de la bière. Hein? Avant la Révolution, ils ont fait le cidre ou quand il y avait plusieurs abbayes, aussi, par exemple, en Bourgogne, là, le boisson populaire de la région, ce n'est pas le cidre, hein, mais c'est plutôt le vin. Eh bien, là, ils boivent et ils font du vin. Mais donc, ils n'ont jamais, jamais brassé de la bière en France. Donc, les trappistes sont des Français, mais la bière trappiste ne l'est pas. Bon, la Révolution française, je ne dois pas expliquer. Tous les Français comme 14 juillet. Hein? Et à ce moment-là, les trappistes se sont enfuis de la France. Parce que, comme vous le savez, les révolutionnaires n'aimaient pas la noblesse, mais ils n'aimaient pas l'Église non plus. Donc, les trappistes se sont enfuis. Un peu partout en Europe. Hein? Vers le sud, l'Italie, l'Espagne, vers l'Est, l'Allemagne, la Pologne, mais un petit parti des moines se disait on ne sera jamais en sécurité en Europe parce que la Révolution française va se répandre. Comme c'était la vérité, hein? Votre grand héros Napoléon a même été en Russie. Donc, c'était des gens malins qui se disaient « Jamais on sera tranquille en Europe. On doit s'enfuir hors de l'Europe. » Et le choix est tombé sur l'Amérique, le Canada. Et parce que tous les Français parlent toutes les langues du monde, allez, ils parlent français, le choix était très simple. Hein? C'était le Québec. Et donc, ils se sont enfuis de la France et ils sont allés vers Amsterdam. Parce que là, à Amsterdam, il y avait des bateaux pour s'enfuir, pour aller en Canada. Mais quand ils sont arrivés à Amsterdam, les bateaux restaient dans le port. Parce que il y avait une guerre commencée entre la France et l'Angleterre. Et quand il y a une guerre entre la France et l'Angleterre, la guerre, c'est quelque part au milieu. Et au milieu, ça veut dire
en mer. Et quand il y a des guerres en mer, les bateaux, les navires avec des passagers restent dans le port pour la sécurité. Donc, nos trappistes, ils étaient 16, hein, sont à Amsterdam et les bateaux restent en port. Et ils n'avaient plus de sous. La seule possibilité, c'est faire le retour. Ils sont retournés vers la France. Mais heureusement, à Anvers, en Belgique, ils ont rencontré un prêtre catholique, hein, parce que ce sont des moines catholiques, qui leur a dit, il ne faut pas retourner en France, hein, vous pouvez rester chez nous. Et l'évêque d'Anvers a pour eux acheté une ferme, parce que ce sont des fermiers. Il a acheté une ferme pour eux parce qu'il était fier d'avoir, comme premier en Belgique, une abbaye trappiste. Au début, il voulait installer les trappistes en ville, la ville d'Anvers, mais les trappistes ont refusé. Ils ont dit non, nous sommes des fermiers. En ville, il n'y a pas de place pour nos vaches, il n'y a pas de place pour travailler la terre. Il nous faut une ferme. Eh bien, ils ont reçu une ferme de l'évêque d'Anvers à Westmal. Et là, les moines se sont installés 5 ans après la Révolution. Ça veut dire donc 1700, et maintenant je le dis en français belge, 94. Hein, pour ceux qui ne comprennent pas, 94. Okay. Donc ils se sont installés là, ils ont commencé à travailler dans leur petite ferme, mais il leur fallait quelque chose à boire. Et qu'est-ce qu'ils peuvent boire? De l'eau. L'eau à Westmal n'est pas bon, mes amis. Ça contient beaucoup de fer. C'est pas bon. Du lait battu. Oui, mais pour chaque jour, c'est pas agréable. Hein? Donc, la seule solution, c'était la boisson populaire de la région. Et en Belgique, ce n'est pas du cidre, ce n'est pas du vin. C'est de la bière. Donc, les trappistes ont commencé à brasser de la bière pour pouvoir suivre les règles de leur ordre. La première bière qu'ils ont goûtée, quand ils ont brassé pour la première fois, personne ne le sait, mais la première fois qu'ils ont goûté leur propre bière, c'était le 10 décembre de 1836. Et tout le monde qui peut calculer un peu va dire, mais c'est 12 ans après leur arrivée. Ah, oui. Mais en réalité, quand ils étaient à Westmal, quelques mois après, l'armée française a envahi la Belgique. Et ils ont vu en noir. Donc, officiellement, l'abbaye n'existait plus. Ils ont allé travailler chez des fermiers, etc. Mais il n'y avait pas officiellement de l'abbaye. Et ce n'est qu'après l'indépendance de la Belgique qu'ils pouvaient recommencer leur vie dans leur abbaye. Et même à ce moment-là, ce n'était pas sûr. Parce qu'au début, le premier roi des Belges, c'était un Allemand. Mais il n'était pas catholique, il était protestant. Donc, il n'aimait pas tellement l'Église catholique. Et donc, il n'aimait pas les abbayes catholiques. Et heureusement, pour nous, amateurs de bière, hein, il a marié une princesse française. Et cette princesse française était catholique. Et donc, il comprenait notre premier roi, Léopold de Saxe-Coburg-Gotha, mais il comprenait parce que ma femme est catholique et parce que ma femme va élever nos enfants. Nos enfants seront catholiques aussi.
Et il a promis sa femme, Louise Marie d'Orléans, était le nom. Il a promis sa femme, du moment que nous avons un fils, parce qu'une fille, mesdames, excusez-moi, hein, mais les filles n'étaient pas importantes à ce moment-là. Hein, il fallait un fils pour avoir un deuxième roi. Et il a promis, du moment qu'il y a un fils, je laisse l'Église catholique libre, savant que le deuxième roi des Belges serait catholique. Et en 1835, ce fils est né, le fameux Léopold II, avec sa grande barbe, hein, plus grand encore que la mienne. Hein. Et l'année après déjà, les trappistes étaient là, officiellement dans leurs abbayes, et commençaient à brasser de la bière. 10 décembre, la première bière goûtée. Quelle bière! Pas la bière comme maintenant, parce que maintenant, les bières trappistes sont des bières avec un taux assez haut d'alcool. Hein. Sont des doubles, sont des triples, sont même des quadruples. Hein. Mais à ce moment-là, les premières bières étaient des bières de table, faibles en alcool, parce que les moines doivent vivre en toute simplicité. Et c'était des bières brunes. Et la première bière qu'on va goûter, je ne sais pas quand, maintenant donc, hein, voilà, et c'est une bière brune hein, pour commencer. Et je vais vous dire pourquoi la première bière trappiste était brune. Et alors, je vais regarder. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne plus vont oser de goûter. Hein. Parce que le choix, non, c'est une blonde, ça. Oui, la première bière était brune parce que, mesdames et messieurs, les bières brunes contiennent beaucoup, beaucoup plus de calories que les blondes. Et maintenant, presque tout le monde a peur des calories. Hein. Tout le monde a peur des calories. On veut rester quand même mince, etc., etc. Mais pour les moines, les calories étaient très importantes. Parce que là, à Westmalle, c'est la campine en Belgique et la terre, c'est du sable. Et sur le sable, c'est difficile de faire pousser beaucoup de légumes, de faire pousser beaucoup de grains. Donc, ils vivaient à ce moment-là en pauvreté. Ils n'avaient pas assez à manger. Pas assez à manger, ça veut dire pas assez de calories. Et donc, les calories pour eux, c'était très, très important. Ils ont donc commencé à brasser une bière brune, surtout pour les calories. Et maintenant encore, la plupart des bières trappistes, mais je dis bien en Belgique, sont des brunes. La plupart sont encore des brunes. Évidemment, trappiste, ce n'est plus belge. Hein? Quand j'ai écrit mon premier livre sur les bières trappistes, il y avait 6 abbayes qui brassaient de la bière, et c'était tous les 6 en Belgique. Mais mon deuxième livre, il y avait déjà 7, et une des abbayes était en Hollande. Il y a un stand ici, l'abbaye s'appelle Koningshoven, mais parce qu'ils comprennent que vous ne pouvez pas prononcer ce mot, et que vous ne pas peut comprendre ce mot, il s'appelle ici la Trappe. La Trappe, référant à la première abbaye à Soligny en Normandie, où les trappistes ont commencé la Trappe. C'est un stand ici pas loin. Mais bon, c'était une bière de table qui ne se vendait pas. Ils ne brassaient pas pour gagner des sous, hein. Ils brassaient pour boire eux-mêmes. Entre-temps, il y avait 6 abbayes en Belgique déjà qui sont tous de la même famille. Donc, ils sont tous de la famille de Westmalle, sauf Orval. Parce qu'Orval est fondé directement de la France. Il n'est pas fondé par Westmalle. Et la bière Orval n'est pas une trappiste,
comme les cinq autres. C'est un peu différent. Mais en tout cas, vers 1870, 70 pour les Français donc, hein, ils ont commencé à vendre leur bière. Parce que à ce moment-là, il y avait des crises dans l'agriculture. En Europe, hein, partout en Europe. Donc l'agriculture était en crise, il n'y avait pas assez à manger pour la population. C'est dans ces années que, par exemple, environ 50% des Irlandais sont allés en Amérique, pas pour devenir riches, mais pour chercher de la nourriture. Et aussi en Belgique, il y avait des dizaines de milliers de gens qui sont partis. Hein. À Anvers, il y avait des bateaux directement vers New York, Red Star Line est le nom, donc on cherchait à manger. Et la ferme des Trappistes n'était plus assez pour avoir des sous pour manger. Et c'est alors qu'ils ont commencé à vendre leur bière. Mais c'était encore une bière, disons, bière de table, hein, environ 3,5% d'alcool. Et l'histoire des Trappistes modernes, c'est après la Première Guerre mondiale. Parce qu'après la Première Guerre mondiale, il y avait, un peu partout en Europe, et surtout en Belgique, un grand problème avec l'alcoolisme. Et pour lutter contre l'alcoolisme, nous avons eu un ministre très malin qui a dit, dès maintenant, c'était en 22, dès maintenant, il est défendu de vendre et de servir des alcools. Plus de cognac, plus de calvados, plus de genièvre, rien. Tous les alcools défendus. Et donc, dans les cafés, il ne restait que de la bière très, très faible. Grand problème pour les amateurs. Hein. Grand problème. Et, entre parenthèses, hein, il y a des pays où c'est encore comme ça. Hein. Par exemple, en Allemagne, qu'est-ce qu'on boit? Des grands pintes avec une bière faible en alcool, mais avec ça, du schnapps. C'était une combinaison qu'on faisait en Belgique aussi avant la guerre, plus maintenant, parce que c'est à ce moment-là, après ce loi, Van de Velde était le ministre que les Trappistes ont choisi pour élever le taux d'alcool de leur bière. Et en 24, donc 2 ans après ce loi, à Westmalle de nouveau, ils font une nouvelle bière, une brune évidemment, avec un taux d'alcool de 7%. Mais une bière doit avoir un nom. Faut, dans un café, pouvoir commander cette bière. Donc, ils ont besoin d'un nom. Et ils ont inventé un nom très, très, très simple. Double. Pourquoi double? Parce que la bière qu'ils faisaient avant, la bière qu'ils boivent eux-mêmes, la bière de table, avait un pourcentage d'alcool de 3,5. Donc, 7%, c'est le double. Et voilà, ils ont donc créé un nouveau style de bière, la double. Et maintenant, en Belgique, il y a une cinquantaine de brasseries qui font une double. Donc, ça veut dire que l'influence des Trappistes a été très, très grande sur les bières spéciales en Belgique. Et quand ils ont commencé à vendre leur bière, il fallait des bouteilles, hein, il fallait des bouteilles. Eh bien, en Belgique, il n'y avait pas de bouteilles. Mais heureusement, les Français produisent du champagne. Et les bouteilles de champagne ne peuvent pas réutiliser. Donc, ça veut dire que tout le champagne qu'on buvait en Belgique, il fallait jeter les bouteilles. Et les Trappistes ont dit, ah non, on va demander tous les bons catholiques, hein, tous les bons catholiques, quand vous buvez de champagne, amenez nos bouteilles chez nous.
Nous allons les laver, nous allons les remplir. Mais la bière en Belgique, à ce moment-là, était une bière plate. Une bière, donc, sans CO2. Mais la mode qui venait de l'Allemagne, c'était des bières qui moussent. Des bières avec des bulles. Et alors, ils n'ont pas inventé un système. Hein. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des bulles dans le champagne? Ben, on va faire la même chose. Et donc, les bières trappistes, c'était les premières en Belgique qui sont traitées comme le champagne. Ça veut dire qu'ils refermentent en bouteille. Mais les brasseurs laissent la levure dans la bouteille, tandis qu'en champagne, on va enlever. Mais c'est la seule différence. Donc, ce sont vraiment des champagnes de bière. Voilà. De nouveau, ce que nous avons appris les trappistes. Hein. Et alors, à un moment donné, évidemment, les blondes sont venues. Et sont venues de nouveau de l'Allemagne. Hein. Enfin, en réalité, de la Tchéquie. Hein, parce que la bière Pils est née dans la ville de Pilsen, en Bohême. Mais la Pils est venue en Belgique et en France aussi, pas de Tchéquie, mais de l'Allemagne. Évidemment, une Pils est blonde. Donc, les bières blondes étaient de plus en plus à la mode. Et pour pouvoir vendre assez de bières, il y avait de nouveau Westmalle qui a créé une blonde. Et alors se posait le problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Plus ou moins d'alcool? Plus ou moins? Qu'est-ce que vous pensez? Hein, qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, la réponse était plus. Et en 34, 1934, ils ont créé là une bière blonde avec 9,5% d'alcool. Et de nouveau, cette bière avait besoin d'un nom. Et voilà, j'entends déjà monsieur qui dit triple. Ils n'ont pas calculé tellement bien, parce que 3,5 × 3, c'est 10,5. Mais c'était bon trouvé. Et donc, de nouveau, ils ont créé une bière dont il existe en Belgique maintenant, je ne sais pas combien, hein, 50, 60, 70 même, hein, les triples. Et donc, qu'est-ce que les trappistes nous ont donné? J'avais un verre aussi, mais je ne sais plus où. Ah, allez, je reçois aussi quelque chose. Waouh! Ils nous ont donc donné la fermentation en bouteille, ils nous ont donné les doubles, ils nous ont donné des triples. Et pour moi, c'est déjà assez pour être grand. Oui, 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 c'est bon, c'est bon. Pour être grand amateur. Hein. Mais bon, la dernière création des trappistes, c'est une quadruple. Et on doit l'avouer, c'est une création pas d'une abbaye belge, mais c'est une création de l'abbaye La Trappe qui est ici. Et le choix était très simple. La double, c'est brune. La triple, c'est blonde. Qu'est-ce qu'on a encore? La seule couleur qui reste, c'est l'ambré. Donc, la quadruple, qui titre toujours plus de 10% d'alcool, c'est une ambrée. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas eu le succès des doubles et des triples. Il y a peut-être 5 ou 6 quadruples au lieu de 50, 60, 70 triples. Donc, le succès n'est pas tellement grand. Ce qui est normal, parce que maintenant, la nouvelle mode, disons, dans la bière, ce n'est plus les bières avec beaucoup d'alcool, mais ça devient de plus en plus des bières avec peu d'alcool. Eh bien, les trappistes, ils ont des bières avec peu d'alcool, vous savez, parce que la bière de table qu'ils boivent eux-mêmes,
il les brasse encore, hein, mais il ne commercialise pas. Donc la Westmalle, bière de table, n'est pas vendue. Tandis que la Chimay, bière de table, qui titre 4,5% d'alcool, c'est bien en vente. Donc, surtout à Chimay, parce que Chimay est très commercial, surtout à Chimay, ils savent ce qui vit dans le monde des amateurs de bière. Ils sont les premiers pour vendre leur bière de table et peut-être les autres vont suivre aussi. Hein. Bon, mais entre-temps, Trappiste n'est plus belge parce que le numéro 7 était déjà aux Pays-Bas et pendant 20 ans, ça a resté comme ça. Hein. 7, 6 Belges, 1 Hollande. Mais d'un coup, en 2013, il y avait une grande nouvelle de l'Autriche. Il y avait une abbaye trappiste en Autriche qui a commencé à faire de la bière. Elle s'appelle Engelsel. Un an après, une deuxième aux Pays-Bas. Hein? Un an après, la première aux États-Unis, Spencer. J'ai vu que Spencer est ici. Et encore un an après, à Rome, Trefontane, donc Rome en Italie. Donc ça veut dire qu'il y a déjà 11 abbayes trappistes qui brassent la bière. Et pour se défendre contre tous les bières d'abbaye qui font beaucoup, beaucoup de publicité, les trappistes se sont réunis. Ils ont créé une association internationale trappiste, AIT. Association internationale trappiste. Ils ont un logo. Et je vois d'ici le logo à l'arrière de la bouteille. Et dans ce logo, donc ce petit logo, parce que c'est toujours modeste, hein, c'est toujours petit, et dans ce logo, c'est écrit « Authentic Trappist Product ». Donc ça veut dire un produit authentique des trappistes. Je crois qu'on a une question de quelqu'un. Ah bon ? Quand est-ce qu'a été créée l'Association internationale des trappistes ? Quand est-ce qu'a été créée l'association ? En 98. Parce que en 98, en Belgique, il y avait déjà tellement de bières d'abbaye qui font beaucoup de publicité, tandis que les trappistes font très peu de publicité. Et donc, il y avait tellement de publicité pour les bières d'abbaye que beaucoup de gens se disaient une vraie trappiste, c'est une leffe. Et une leffe est brassée par le plus grand groupe brassicole brésilien-belge, AB InBev. Donc, pour se défendre un peu contre l'idée que l'EF est une trappiste, ils ont créé cette association. Et pour devenir membre et pour avoir ce petit logo, il y a trois simples conditions. Condition numéro un, l'abbaye doit être une abbaye trappiste, ce qui est normal. Donc ça veut dire que l'EF ne peut jamais être une bière trappiste parce que ce sont des Norbertins à l'EF. Deuxième condition, il doit brasser de la bière entre les murs de leur abbaye. Et dans l'abbaye de l'EF, il n'y a pas de brasserie. Et troisièmement, la bière doit être brassée par les moines ou sous contrôle des moines. Et je dois avouer que les 6 Belges, il n'y a qu'une abbaye où c'est encore des moines qui brassent eux-mêmes. Et c'est la brasserie et l'abbaye donc de Westfleteren, dont les bières coûtent en commerce 100 euros, 150 euros pour une petite bouteille. Hein. Mais pas de souci, hein. Venez à Westfleteren dans l'abbaye, une bouteille coûte 1,85 €. Hein. Mais parce que cette bière, c'est tellement rare, il y a des gens qui vendent à des prix énormes. Mais les autres 5 Belges, je vais les mentionner peut-être, hein, donc Westmalle,
Achel, peu connu, je pense. Et puis, en Wallonie, on a Chimay, Orval et Rochefort, la brunette Rochefort. Eh bien, là, ce ne sont plus des moines qui brassent, hein. Ce sont des ingénieurs brasseurs qui brassent, mais la règle dit brasser par les moines ou sous contrôle des moines. Et donc, c'est sous contrôle des moines. Ils contrôlent surtout les fric. Hein? Voilà. Allez, encore 2 heures, OK? Et voilà. Entre-temps, donc, il y a 11 qui ont tout ce logo. J'ai encore besoin de quelques minutes. Hein? Quelques minutes. Une bonne question serait, et comment ça se fait? Pendant 150 ans, ils sont 6, et les derniers temps, ils sont déjà 11. Et le numéro 12 arrive. Hein? Je ne peux pas dire, je ne suis pas encore 100% certain, mais disons que je suis 95% certain que la 12e brasserie trappiste sera en Angleterre. Et le nom sera Mount Saint Bernard. Mont Saint Bernard en français. Je suis 95% sûr. Parce qu'ils sont déjà membres de l'association et sont en train de monter une brasserie. Pourquoi? Voilà. Vous faites la bière donc. Bien, ça se fait parce que les communautés des pères, les communautés partout diminuent. Donc, il y a de moins en moins de pères. Et leur âge monte. Ils sont de plus en plus âgés. Ça veut dire que les comptes ne sont plus en équilibre. Parce que quand un père travaille, il travaille gratuit. Il ne doit être pas payé. Il est père. Mais quand ce père ne peut plus travailler, il est remplacé par quelqu'un. Ah, ce monsieur ou cette dame doit être payé. Donc, ils ont besoin d'argent. Et parce que la bière, ça va vendre, parce que le nom trappiste, c'est un grand nom dans le monde brassicole, c'est toujours simple, on commence une brasserie. Parce que dans une brasserie, avec peu de gens, on peut brasser beaucoup de bière. Hein? La plupart des brasseries sont, je dirais, computerisées. Hein? Ils n'ont pas besoin de beaucoup de travailleurs, hein, tout c'est automatique. Et donc, c'est le nouveau choix, et j'en suis sûr que presque chaque année, ou chaque 2 années, on aura une nouvelle abbaye qui va commencer à brasser de la bière sous le grand chapeau des bières trappistes. Allez. Santé. Question peut-être? Ah bon, tout le monde a compris. C'est pas normal, hein. Donc, vous disiez que du coup, les trappistes ont créé leur association pour faire valoir leurs intérêts et vraiment leur façon de travailler. Vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous observez le marché de la bière, de la mesure où on a énormément de marketing et au final, dans l'esprit des consommateurs, grand public, il y a une confusion sur ce qu'est une bière trappiste ou pas, et des noms dont ils connaissent, on leur fait croire que c'est une bière d'abbaye, etc. Comment est-ce que vous le percevez? Le plus grand marketing des trappistes, hein, c'est ne pas faire du marketing. Ça, c'est le plus grand marketing. Et un peu partout dans le monde, hein, ils ont des clubs de bière, des clubs des amateurs de bière qui leur aident. Et pourquoi? Parce que, par exemple, en Belgique, on a l'association qui s'appelle Zitos. Zitos, c'est les amateurs de bière en Belgique. Ils défendent les trappistes. Et pourquoi? Parce que c'est eux qui ont fait les bières originales. Et les bières d'abbaye sont des copies. Donc, pour un amateur de bière, l'original est toujours plus intéressant que les copies. Donc, il ne doit pas faire du marketing.
sont des autres qui font du marketing pour eux. Et en plus, ils ne cherchent pas à devenir les plus grandes brasseries du monde. Hein. La plus grande brasserie trappiste en Belgique et dans le monde même, c'est Chimay. À Chimay, on fait 220 000 hectolitres par an. Eh bien, à Louvain, on fait 4 millions d'hectolitres. Donc, même la plus grande brasserie trappiste est encore une petite brasserie. Et je vais vous donner les chiffres des autres, mais je commence avec Westleteren, peut-être. Là, ils font 7250 par an. 7000. Ça veut dire une toute petite brasserie. Donc, ils ne doivent pas faire tellement de marketing parce qu'ils ne boivent pas des grandes quantités. C'est vendu, sans problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Brasserie du Mont des Cas en France fait partie des bières trappistes parce que sur le site internet, on la trouve dans les trappistes. Bonne question. J'avais oublié. Mais, allez, regardez mes cheveux. J'oublie. Hein. J'y pense et puis j'oublie. Hein. Bon, le Mont des Cas, évidemment, c'est une abbaye trappiste qui a été... Faites attention, hein, qui a été très important, parce que ce sont des moines de Mont des Cats qui ont fondé Westleteren. C'est quand même important. Hein. Et la bière du Mont des Cats, là, c'est marqué bière trappiste, mais le logo n'est pas marqué. Parce que il y a trois conditions, et il y a une des trois qui n'est pas correcte chez eux. Et je recommence. Hein. L'abbaye doit être une abbaye trappiste. Mont des Cats, c'est une abbaye trappiste, sans problème. Deuxième, la brasserie doit être entre les murs d'une abbaye trappiste, donc. Chez eux, c'est en ordre, hein, parce que c'est brassé à Chimay. Mais la troisième règle dit que ce qu'on gagne avec la vente de cette bière doit retourner à l'abbaye qui la brasse. Donc, ça veut dire que ce qu'on gagne avec le Mont des Cats devait normalement retourner à Chimay. Ce n'est pas vrai, parce que ce qu'on gagne avec cette bière, c'est pour Mont des Cats. Les trappistes ont entre eux un système pour aider. Quand il y a des abbayes trappistes en problème, il y a toujours d'autres pour aider. Et dans ce cas, c'est Chimay qui a dit, nous, la plus grande brasserie du monde trappiste, on va aider nos pères et nos frères là-bas, au Mont des Cats. Mais, au lieu de donner de l'argent, parce que aider et donner de l'argent, c'est pas bon. Quand on donne l'argent, et l'argent est foutu, il faut de nouveau donner l'argent. Donc, c'est pas malin. Et au lieu de donner l'argent, ils ont dit, voilà, on va, pour vous, brasser une bière. Et la bière Mont des Cats n'est pas une bière de Chimay, enfin, comme les autres de Chimay. C'est une bière vraiment spécialement brassée pour eux. C'est une ambrée spécialement pour Mont des Cats. Et on va vous pardonner, hein, on va vous vendre cette bière à un prix très, très bas. Vous pouvez vendre et ce que vous gagnez avec la vente de cette bière, c'est pour vous. C'est pour la préservation de l'abbaye. Et voilà, c'est donc d'un côté une bière trappiste, mais d'autre côté, ça n'aura jamais le logo parce qu'une des trois conditions n'est pas correcte. Donc ça veut dire le pays d'où viennent les trappistes n'a pas encore une trappiste. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Autre question ? Merci. Et je dirais Ite Missa Est. C'est du latin pour dire que j'ai fini.